Salut tout le monde, on se retrouve donc pour l'épisode 9 de notre guide pour mieux débuter à Feed the Beast. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? En tout cas, hein, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas, ça va bien comme d'habitude. Donc déjà, il y a eu quelques changements. Alors pourquoi est-ce que c'est il y a un moulin, enfin une forme de moulin à eau? Déjà par principe, hein, c'est le même que celui-là, parce que en fait celui-là je l'ai fait plus basique en quelque sorte. Mais c'est parce qu'en fait j'avais encore la flemme de refaire cette structure pour la troisième fois. Mais vous voyez comme quoi il y a des câbles qui pompent l'énergie, mais ça je vous y montrerai plus tard. Alors du coup ici c'est à 300 000, c'est à 600 000 en fait. Et vous voyez comme quoi il y a des câbles. Donc je vais vous montrer en fait ça fait tout ça, 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 jusqu'à là-bas, je vais vous y montrer. Hop, d'accord, ceci est un fail. Voilà. Donc en fait c'est ici. J'ai relié les câbles d'ici jusqu'à la MFE de là-bas. Comme ça, quand eux, ils sont allumés, pardon, ça a pompé l'énergie. Alors, pourquoi est-ce que celui-là est allumé? Hop. Comme ça, quand ceux-là sont allumés, ça a pompé l'énergie d'ici et de là-bas. Comme ça, au moins, la courrie va aller beaucoup plus vite. Donc, d'ailleurs, je vous avais laissé ici quand la courrie commençait à creuser, donc elle a fini. Et d'ailleurs, j'avais trouvé deux diamants. Donc, je suis quand même allé voir en bas. Et du coup, j'ai creusé autour pour voir s'il y en avait plus. Et donc, en fait, il reste encore des diamants. Donc, hop, on va les prendre. Voilà, comme ça, je me fais toujours deux diamants en plus. Hein. Vous voyez, comme quoi la courrie commence un peu à porter ses fruits. Et surtout que là, en fait, on met pas de charbon, hein, vu qu'on y fait avec les moulins à eau. Et du coup, j'en avais mis une aussi ici, sauf qu'elle a encore fini de creuser normalement. Je regarde juste s'il n'y a pas de diamant. Hein. Non, ouais, vous voyez, comme quoi j'avais déjà tout pillé. Hein. C'est parce que quand j'ai des ressources comme ça, je peux pas m'en empêcher, quoi. C'est fou. Donc, hop, du coup, on remonte. Donc, ici, il y a. Oui, c'est autant de silver. Hein. C'est pas la quarry qui a mis toute seule. Juste qu'en fait, j'ai creusé aussi un peu aux alentours. Hein. Du coup, j'ai mis là-dedans. Et du coup, vous voyez, comme quoi, quand ça a beaucoup de cobalt. Pourquoi est-ce que je dis beaucoup? Parce que déjà, là, vous voyez, comme quoi, il y en a pas mal. Mais si on va en bas. D'ailleurs j'ai énormément torché puisqu'il y a un creeper qui avait tout pété, du coup j'ai refait. Hein. Mais vous voyez comme quoi c'est énormément torché. Donc 64 of 64 cobalt. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien ici? Attendez. Ah oui c'est pas le flint. Pourquoi est-ce qu'il y en a pas? Je n'en avais pas mis. Bon c'est pas grave. Donc vous voyez comme quoi full of cobblestone. Donc du coup on va devoir l'upgrade. Donc comment faire ça? Donc en fait vous avez votre inventaire, vous mettez barrel, donc en fait c'est ça, normalement, donc c'est ça, donc vous voyez comme quoi c'est noté barrel upgrade, donc si vous cliquez dessus, c'est bon que le craft, donc il faut une underpair, le barrel, du coup ça faudra tout j'y vite, ça va être assez chiant, mais je pensais à une petite idée, des base rods, non j'en ai, parce que je vous rappelle que j'étais allé en fortress, d'ailleurs il faudrait que je refasse un tournée vert, parce que j'y avais pas filmé, vu que c'était sur mon ancien ordi, mais c'est pas bien grave, du lever et du dark iron ingot. Donc si on regarde là-dessus, vous voyez qu'on nous met qu'il faut juste un Book of Dark Iron et voilà quoi, en fait c'est une boucle infinie, donc on peut pas savoir comment l'obtenir. Pour l'obtenir en fait, si mes souvenirs sont bons, puisque, putain mon jetpack est vide, faut que j'aille le remplir. Donc si mes souvenirs sont bons, il faut normalement aller au Never et mettre feu à un bloc d'Iron avec un briquet spécial. Mais du coup ça on y reviendra plus tard, donc pour le moment la coube je vais faire des grands coffres. Enfin non. Je vais pas faire des grands coffres, qu'est-ce que je dis? Je vais plutôt créer un recycleur. Donc d'ailleurs, si attendez, je vais revenir sur un point. Parce que j'ai oublié de l'aborder, du coup il y a un abonné, d'ailleurs merci, hein, qui me l'a précisé. D'ailleurs, pardon hein, si la qualité du micro est pas aussi bonne que d'habitude. Donc ça je sais plus. C'est juste qu'en fait j'enregistre avec la webcam, puisque mon micro ne marche plus. Enfin en gros sur mon nouvel ordi je peux pas brancher mon micro, je sais pas pourquoi. Mais attendez, je suis en quoi là? Ah bah voilà, comme ça, oui, si j'étais en cheat, hein, c'est juste pour faire mes tests, quand des fois j'ai la flemme d'aller sur ma map, bref, c'est pas bien grave, donc hop, non, si on fait, on peut pas, on peut faire ici, donc normalement, le bauxite, ouais, non, en fait, c'est pas ça, donc c'est bien, le monazite, mais là, je cherche un petit peu. Voilà, donc vous voyez comme quoi ça peut faire du forcicien, j'ai oublié de le dire, vous voyez comme quoi on peut le mettre dans un four normal également, dans un macérateur, je pense qu'on fera dans un macérateur bien évidemment, pour faire du forcicium. Qu'est-ce que c'est que le forcicium? Je reviendrai en détail là-dessus, mais en gros, il me faut énormément pour pouvoir faire un champ de force. En gros c'est ça, hein.
Franchement, j'y simplifie, mais voilà, je ne vais pas non plus trop y compliquer pour le moment. Donc du coup, où est-ce qu'on en était? Oui, avec le recycleur. Notamment, il me semble que c'est pas bien compliqué le craft. Il faut un compresseur. D'ailleurs, le compresseur, en fait, il me sert à rien. Hein. Donc, on va le prendre. De la dirt, du refined iron et de la glowstone. Est-ce que j'ai de la glowstone? C'est étranger quelque part d'autre. Non, j'ai du refined iron. Voilà. J'en avais mis à fondre. D'ailleurs, fer, je commence à pas être juste. La glowstone est de par là. D'ailleurs, plus tard, en fait, si on devra faire des allers-retours entre les mondes. Je sais, enfin, je vous montrerai une technique. On a besoin de ça. Et la terre, normalement, je crois que je l'avais toute mise dans les bowels. Non, il reste encore un petit peu. Hop. Alors, du coup, on va tout de suite y crafter. Non, c'est pas la table de craft, je me gourre. Comment est-ce qu'on fait? Voilà, comme ça. Donc, le compresseur, la dirt, autour, dirt refined. D'accord, je me suis trompé. C'est pas grave. Il en fallait deux. Voilà. Donc hop, juste histoire d'être sûr de ne pas me gourer. Hein. Autant faire ça, c'est plus rapide. Donc hop, la glowstone, la dirt. Et enfin, et voilà, du coup on a notre recycleur. Donc j'ai besoin de ma wrench. Alors à quoi ça sert le recycleur? Hop, je regarde juste. Voilà, c'est extracteur. Je suis stocké où parce que voilà, justement c'est bien de le faire. Des fois c'est dans un machine block. Une fois que je m'en souviens, bien je regarderai la vidéo hein, pour le recrafter, par exemple, c'est pas bien grave. Donc ça marche pas avec les autres machines, vous le branchez ici, comme quoi il y a du courant. Et en fait, ça a besoin de cobblestone. Vous voyez, comme quoi là, ça bouffe une cobblestone, mais que ça produit rien. Juste parce qu'en fait, c'est un taux de chance, d'ailleurs, hop là, c'est un jeu d'enfer, de donner du scrap. Alors le scrap, à quoi ça sert? Alors, ça sert soit à faire du scrap, soit une scrap box. Je pense que c'est ce qu'on va faire généralement, donc je sers comme fuel ou alors comme ça. En fait, non, c'est un taux de chance, vous voyez, 9,39% de donner un item au hasard, du grass block, etc. Mais il me semble que ça peut donner du diamant, mais oui, ça peut donner vraiment beaucoup de choses, vous voyez, même de la nourriture. Hein, c'est assez bizarre, mais normalement, ça devrait pouvoir donner du diamant. Ah, c'est vrai que ça pouvait en donner. Oui, voilà, je sais que je l'avais passé. Donc, vous voyez, 0,19% de données du diamant. Donc, bon, c'est déjà ça, quand même. Donc, pour ça, au moins, la cobblestone, au moins, elle va moins nous faire chier, en quelque sorte. Hein. D'ailleurs, au pire, ce qu'on va faire... Faudrait qu'en fait, je vais mettre un truc pour que ça pompe la cobblestone. Je pense que je vais faire un petit coffre. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. J'ai plus de bois. On va prendre le rubber wood, parce qu'il me semble qu'en plus j'en ai de la masse de rubber wood. Et donc du coup là on va faire un petit truc tout simple. On va mettre un chest. On va le mettre ici. On va avoir besoin d'engine, il me semble que j'en avais. Steering engine. Ouais mais non pire, j'y ferai en off. Pour le moment je vais le mettre dans le coffre là-bas. Je vais faire en off parce que sinon on va pas pouvoir avancer. Il faut quand même qu'on avance un minimum. Donc bref, du coup je disais que là-bas c'était tout plein. Du coup hop, on redescend. J'ai quand même prendre des pipes. Cobblestone, wooden. Oh, c'est la conductive. J'ai plus de diamants. Attends, c'est bizarre. Enfin de diamants transformés en pipe, hein, je parle. Donc hop, du coup on va continuer notre salle des coffres. De toute façon, on va pas encore en avoir tout de suite besoin. Parce que là, du coup, ce qu'on va faire en fait, c'est des macérators. Macérators. Donc, écoute, au pire, moi je pense que je vais faire tous les crafts. Ah putain, c'est chiant. Puis on peut plus à y faire ça. Bon, écoutez, ouais, du coup, je vais tout y faire en off. Et je vous retrouve une fois que j'aurai fait. À tout de suite. Nous revoilà, donc j'ai fait quelques changements parce qu'en fait, j'ai réfléchi à ce que je devais faire parce que c'est quand même un petit peu compliqué. Alors du coup, ici c'est notre diamond pipe du début, ici aussi. Donc en fait, qu'est-ce qui a changé? Déjà, je pense que je l'aurais vu dans les filtres, c'est vide. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va faire en sorte que on va trier les minerais. Donc en fait, vous voyez comme quoi là-bas, il y a un coffre. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est...
Déjà, ici, on va mettre des minerais. Donc, vous voyez comme quoi je n'ai pris plein. Donc, c'est tout ceux du coffre. Donc, ici, c'est quoi? Ici, c'est le rouge. Hop, on a eu la petite torche. On va même la mettre ici. Donc, ici, il y a les macérateurs que j'ai fait. Je sais pas si je vous avais montré. Je suis aussi allé couper du bois. Du coup, ma pioche, elle s'est pétée. Ce qui commence à vraiment être juste. Du coup, j'allais en enchanter une à l'égout. Mais peut-être en haut, je sais pas. Bref, c'est pas bien important. Du coup. On a quoi de minerai? Non, on a 10, donc on va en mettre 5 de chaque côté, donc rouge et rouge. Donc en rouge, on va mettre. Bah hop, on va faire comme ça. Voilà. Donc, comme quoi j'ai pris un peu tous les minerais. Il y en a que j'ai en plusieurs fois. 1, 2, 3, 4, 5. On va juste les mettre ici, voilà, histoire de dire. Hop, pareil ici. Donc en rouge encore. J'espère que je me suis pas gouré. L'autre côté, donc vous voyez comme quoi par exemple il y a plusieurs silver, etc. etc. C'est juste parce qu'en fait ils ont plusieurs ID différents, mais c'est les mêmes. Donc ouais, c'est un rouge et c'est un rouge, donc du coup en fait qu'est-ce que ça va faire? Je laisse quand même. Donc en fait, pardon, je pense que je vais mettre que deux macérateurs pour le moment. Je mettrai un troisième plus tard, mais pour le moment je vais en mettre que deux. Puisque donc, la Corée non plus elle mine pas super vite, hein, je pense que vous le savez. Hein. Mais du coup, on va mettre nos macérators. D'ailleurs, pour l'alimenter, il faudra qu'on voie. Bon, c'est pas grave, pour le moment on les met. Mais du coup, je pense que vous l'aurez compris, il y aura plusieurs minerais qui vont arriver en même temps. Par exemple, un moment il y aura du silver, un moment du gold, etc. etc. Parce que le macérator, je pense que vous savez, peut faire, il peut macérer qu'un seul minerai. Donc, du coup, l'autre qu'est-ce qu'il va faire, lui, il va s'envoler. Et c'est pour ça que nous, en fait, d'ailleurs, ici je me suis gouré. Nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est. Hop. D'ailleurs, il faudra peut-être que je relève un peu le plafond, du coup. Je pense que c'est ce que je vais faire, parce que du coup, ça en fera 1 et 2. Ouais, non, c'est pas bien grave. Donc, du coup, nous, ce qu'on va mettre, en fait, c'est un. Enfin, même 2 ou 3. Pour le moment, on va en mettre 2. Pour le moment, on va y faire vraiment simple. Plus tard, j'y compliquerai un petit peu. Mais pour le moment, on va quand même rester comme ça. Donc, du coup, on va faire un. Enfin, même 6 Hoopers. Donc, Hooper, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est assez simple à crafter. Vous voyez, c'est pour ça que je vais prendre du bois, hein, évidemment. Donc, du coup, hop, ça, je transforme en planche. On va faire. Il m'en faut 6, c'est ça? Ouais, on va dire qu'il nous en faut 6. Donc, hop, on fait les chests. Ensuite, il nous faut des Stone Gear. Attendez, ouais, ça c'est avec de la cobble. Je le peins pendant un petit moment et de l'iron. Donc, ouais, par contre, ça nous coûtait assez cher en iron. Je prendrai juste, je pense qu'à ces cas, je vais aller miner dans un densor. Hein. Je pense que c'est le mieux à faire, mais voilà. Donc, du coup, on a besoin de stone gear, en faisant donc de cobble. Hop, hop, ouais. Du coup, qu'est-ce que ça va faire ce. Hop, ce comment ça s'appelle ce hooper, en fait ça va faire une file d'attente en quelque sorte. Attends, je regarde juste quand je n'ai pas besoin d'énormément. Qu'est-ce que je fais moi? Moi c'est pas grave. Donc non, j'en ai besoin de 6, donc 1 2 3 4 5 6, voilà, qu'on va enrouler de cobblestone, enfin plutôt qu'on va enduire de cobblestone en quelque sorte. Bon, j'espère que vous n'entendez pas la machine à laver derrière. Au pire, hein, j'y peux rien. Donc, hop, on a nos 6 Stone Gear, nos 8 coffres. Même s'il m'en fallait que 6, mais c'est pas grave, ça servira toujours. J'ai oublié de prendre le fer. Hop, on le prend tout de suite. Et donc, on va faire nos 6 Hoopers. Hop, on met donc le coffre, la Stone Gear et l'iron autour. Et comme ça, on va avoir nos Hoopers. Donc, enfin, nos Hoopers ou Hoopers, je sais pas du tout. Donc, du coup, on descend. On va dans notre salle des coffres. D'ailleurs, peut-être que je l'agrandirai plus tard, hein, parce que quand même, ça fait 20 barrels pour donc 20 minerais, c'est quand même pas énorme quand on y pense. Mais ouais, je me débrouillerai. Donc normalement, voilà, vous voyez comme quoi, ça, cette forme-là, ça semble en fait un entonnoir, parce que c'est un entonnoir en fait. Vous voyez comme quoi, il y a 4 trucs. Donc d'ailleurs, on même en mettra ici. Merde, shift, hein, bien évidemment, je voulais le faire. Donc voilà, du coup ça fait que quand on aura un minerai, hop, on va envoyer par exemple le silver. Donc je suis pas sûr, hein, parce que je voulais de faire un test avant, c'est juste que j'ai fait un peu de mémoire de quand j'y faisais. Du coup on va voir le silver, où est-ce qu'il est. À mon avis de l'autre côté, parce que là j'ai 20 silver, mais. Ah, voilà, donc il va de l'autre côté.
Donc bien évidemment, du coup, quand on est vers la racine, etc., du coup, ça arrive de l'autre côté. Donc là, normalement, hop, il est descendu, et voilà, du coup, il se retrouve ici. Donc du coup, par exemple, là, il y a le silver qui est dedans, mais si du coup, on envoie, hop, si on envoie, par exemple, du lead, je sais pas du tout. Donc vous voyez, il est tout de suite pris, grâce au engine, hein, je vous avais montré. Voilà, c'est grâce à ça, en fait, grâce au moulin haut, une énergie qui est vraiment pratique, hein. Plus tard, bien évidemment, on fera des solar panels, pardon. Pour le moment, on n'en a pas besoin, donc... On va regarder. Voilà, donc hop, vous voyez comme quoi c'est vraiment rapide. Ensuite il est stocké là. Pourquoi? Parce que il y a le silver ici et si on l'enlève, normalement le LED reprend sa place. Donc voilà, du coup bah, c'est vachement pratique je trouve. Donc voilà. Alors maintenant du coup ensuite ça sera cuit quand on l'alimentera bien évidemment. Mais je vous rappelle que ça fera des poudres. Donc, ouais, du coup après ça fait des poudres. Mais après, nous, en fait, les poudres, ça ne sert à rien. Hein. Quand on a deux avant dust, on ne peut rien en faire. À part les faire fondre. Donc, c'est pour ça que nous, en fait, après, on va mettre. Je sais pas si je mets des electric furnace ou des furnace normaux. Parce qu'après, ça me bouffait du charbon. Ouais. Non, ça vaut pas le coup de mettre des furnace. On va tout simplement. Déjà, je vais aller me faire une nouvelle pioche en diamant. Qu'on va tout de suite aller enchanter. Ça, moi, je serai tranquille. Ah oui, du coup. Là, par exemple, pour ce petit freeze, donc ouais, je disais, j'étais en 7 niveaux, je vais vous dire, hey, mais comment est-ce qu'elle a fait? Bah, en fait, c'était quand je suis allé au Nether, tant que j'y retourne, en fait, là-bas, il y a des minerais dans le Nether, il y a des minerais de toutes sortes, il y a même du diamant, normalement, je ne l'ai pas encore trouvé parce que je suis pas resté trop longtemps, et en fait, là-bas, il y a un minerai qui fait XP, mais un truc de malade. Oh cool, un truc de malade et en fait un filon ça vous, si vous êtes niveau 1, un filon ça vous monte niveau 20 limite, encore peut-être même un peu plus, donc franchement c'est un truc de malade hein. Et c'est pour ça qu'en fait j'étais niveau 37, donc un de ces quatre faudrait qu'on retourne au Nether, portail qui est dans le monde normal, hein. Faudrait que je fasse au pire des portails, j'allais dire des portaux, je suis vraiment con, des portails pour aller dans notre ancien monde pour tout de suite aller au Nether, enfin je me comprends, mais on y fera plus tard parce que pour moi quand même on est dans la salle des coffres et il me semblait que j'avais Resin Engine, attendez, parfait, en plus il y en a pile poil le nombre qu'il me fallait, en plus j'ai de la cobble pour des leviers, c'est parfait. Hop, donc on redescend, donc ouais, du coup pour les alimenter les macérateurs, j'ai ma petite idée. Je pense que je vais en fait pomper aussi l'énergie du grand tube là-bas. Je vais en faire un petit ici pour les fours. En gros, je vais faire mais des moulins mais de partout. Ça va être vraiment abusé limite. Mais au moins comme ça, tout fonctionnera sans me consommer des ressources. En voilà, ça fonctionne. Pourquoi est-ce que je les mets déjà alors qu'il n'y a pas de ressources? Parce que la particularité des Resin Engine, c'est que plus vous les mettez allumés, plus ils pompent vite. Jusqu'au moment où ils soient rouges ou jaunes, je sais plus. Un peu comme eux en fait, hein. Un moment après ils vont pomper bien plus vite. Mais ça on y va plus tard. Donc en fait, maintenant que c'est ici, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut qu'ensuite elles soient tout de suite fondues. Et pour ça, on a donc besoin d'Electronic Furnace. Electronic Furnace. D'ailleurs, plus tard, on mettra un Induction Furnace qui est juste génial. Franchement, c'est un four qui cuit instantanément. Mais ça, je vous montrerai plus tard également. Enfin, franchement, j'ai des tas de choses à vous montrer. C'est vraiment fou. Donc, du coup, off, oui, j'avais mis un extracteur ici, d'ailleurs, puis encore du rubber. Ici, il faut qu'on mette de la cobble. Hop. Et d'ailleurs, attendez, j'ai juste essayé de faire une scrap box, si je me souviens bien du craft. Il y a toujours un zombie qui fait du bruit, c'est parce que j'avais creusé un petit peu en dessous. Et à mon avis, c'est ça qui doit y faire. Donc, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc là, du coup, on a une scrap box. Après, avec le scrap aussi, on peut faire un autre truc, une machine normalement. Mais je me souviens plus tout de ce que c'est. Je m'enseignerai dessus plus tard. Donc, cool, on a de la résine et une four. Ah non, plein de boules. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout. Bon, de toute façon, on va le mettre dans le coffre. Hop, on va le mettre dans le coffre, je disais. Et. Normalement, plus tard. Donc, ouais, on est une wooden ou trop cool. Mais ouais, comme quoi, c'est. Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, ça m'éclate de faire ça. Après, ça fait un petit peu une petite surprise en quelque sorte.
C'est vachement sympa. Donc, niveau fer, on commence vraiment à être juste. On va se faire. On va prendre celui-là de four. On va s'en faire un autre ici. Puisque déjà qu'on n'a pas beaucoup de fer, on va pas non plus faire des iron furnace avec que du fer. Hein. Faut pas non plus faire des gros riches. Puisqu'on l'est pas encore pour le moment. Hop. Donc, cette fois, évidemment, j'ai fait une petite ellipse de quelques dizaines de minutes. Cette fois, c'est la vaisselle qui tourne. Ouais, c'est pas bien grave. Électro, voilà, comme ça. Alors, il faut un. Ouais, voilà, ouais. Un électronique circuit. Donc, pour ça, on a besoin de copper cable. Est-ce que j'ai du copper? Oui, enfin, du copper journal, mais moi je veux dire du rubber, pardon. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ouais. Ça me pose un peu de problème. Donc, écoutez. Attendez, j'avais vu du rubber, j'en avais vu 5. Façon, 5 c'est toujours pas assez. Hein. Faut pas se le cacher. C'est quoi ce truc? Bon, c'est pas grave. Hop, on le prend. Avec notre nouvelle pioche. Bon, elle est un peu moins rapide, mais franchement, je vois pas trop la différence encore. Donc ouais, parce que ouais, niveau enchant, là, j'ai pas mal de chance, je suis content. Mais c'est pas ça l'important, donc non, on veut pas en faire des bûches, on veut en extraire ça, enfin son caoutchouc plutôt, pardon. Donc du coup, hop, j'arrête un peu de blablater. Hop, on fait ça. Est-ce que les redstone ont du fer? Non. Enfin, j'en ai. Redstone, on en prend. Ah, donc du coup, ce coffre, pardon, il commence un peu à se vider vu qu'on a les barrels. Donc tant mieux, c'est bon signe. Donc hop, comme ça on a un autre électronique circuit. Où je sais, j'ai vraiment une mémoire de poisson. Air Furnace. Redstone. Et l'électronique circuit. Parfait. Comme ça on a déjà un électric furnace, pardon. On va essayer comment ça avance. Ouais. L'avantage c'est quand même que ça va assez vite. Putain, à chaque fois je me gourre de touche. L'avantage c'est que ça va quand même assez vite ça. Hop, hop. On pourrait refaire une scrapbox, mais j'ai un petit peu la flemme, je vous l'avoue. Je pense que j'y ferai tout en off. Au moins, comme ça me vide un peu les coffres, parce que la cobble, c'est un petit peu inutile. Sinon, il y a des pistons. Ça me sert à rien. Et attendez, j'avais bien eu du rubber. Je rêve pas. Ah, j'en ai deux, mais il semblait que j'en avais eu. Oh, mais j'étais sûr que... Voilà. Bon sang. Donc hop, électronique, enfin electric furnace, on s'en électronique circuit. S'il me faut du copper. Oh là, mais ça j'oublie tout, je suis désolé. 1, 2, 3. D'ailleurs le copper on commence à en avoir pas mal, c'est cool. C'est très très cool. Donc hop, on fait comme ça la méthode barbare. Hop. Mais non, j'ai pas de refinery iron. Hop. Oh ouais, par contre le niveau fer, je commence vraiment à être trop juste. Donc pendant quelques jours, enfin plutôt heures, hein, parce que j'ai pas miné pendant 48 heures non plus. Pendant plusieurs heures, je pense que je vais retourner, enfin je vais plutôt me faire un dance or où je vais aller miner. Parce que quand même ça devient un peu urgent. Voilà, du coup on a nos électriques furnace. Donc on va dans la salle des coffres. Hop, on les pose. Comme ça, donc, oui, vous voyez déjà, pardon, que les Redstone Engine, ils vont déjà un peu plus vite. C'est cool. Donc en fait, là, du coup, les ressources, elles vont être ici. Ouais, mais remarque, c'est lui. Là, il faut qu'on fasse logique. Est-ce que le macérateur, il va plus vite ou moins vite? Oh, il va moins vite. Puis de toute façon, vu qu'il n'y a pas le gun, ça mettra un peu de temps. Moi, ouais, je pense que ça, c'est cool. Donc bon, par contre, c'est toujours pas alimenté. Et une fois qu'on sera ici, du coup, il faut qu'on regarde un peu ce qu'on a mis comme ressources à fond. Alors on a mis... Bah d'ailleurs, est-ce que je les ai encore sur moi? Ce serait cool. La touche R ne marche plus. Si, c'est bon. Du coup, silver, LED, silver, copper. Donc attendez, du coup, ça me fait normalement, si je ne me gourre pas, 11 minerais. Ça me fait 11 minerais. Et ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 10 barrels. On en a 10, donc il faudra que j'en rajoute 1.
Que j'en rajoute un, donc ça me fait 11 diamond pipes. Remarque, écoutez, je pense que l'épisode est quand même assez long, vu qu'on a fait le recyclage, etc. etc. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que déjà que là ça devient un peu compliqué. Même pour moi, hein, je dis pas ça pour. Enfin, pour vous c'est compliqué, mais pour moi aussi, déjà d'assimiler un peu tout ça. On a déjà quand même pas mal avancé. On a déjà pas mal avancé. Je pense qu'on va se laisser là pour l'épisode, à moins que. Moi que pour la fin, je pense qu'on va quand même essayer de faire un portail. Ah ouais, je pense qu'on va faire ça, donc on va aller dans l'Overworld. On va faire en fait un portail, comme c'est ici le Never, d'ailleurs on va y aller vite fait. En fait, on va faire des portails un peu comme ça. Sauf que ça va être pas de l'obsidienne, ça va être fait en cristal. En cristal, pardon. Normalement, je l'ai, je peux faire un monde avec des cristaux dedans, normalement. D'ailleurs, j'aimerais quand même bien trouver les ressources dont je vous parlais là, qui font super vite XP. Oui voilà, il y en a là-bas, donc on va y aller, comme ça je vais un peu expérimenter, vous papoter un petit peu. Donc je pense que ce qu'on va faire là, j'expère un petit peu, juste pour vous montrer, hein, après là du coup on retourne dans notre monde, on va faire un portail pour stepper instantanément dans l'overworld, enfin dans le monde d'origine, avec des cristaux en fait. Oui, je suis déjà niveau 10, donc en fait avec ces... Mais bon, voilà, on n'a pas de cristaux, hein, donc c'est pour ça que je vais créer un autre monde. Il y aura plein de cristaux. Et puis voilà, je pense que ça sera cool. La forteresse, je l'avais noté. Voilà, Blaze à 700 mètres. Puisque maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai perdu la vidéo. Quand j'ai changé d'ordi, mais bon, c'est pas bien grave. Donc ouais, vous voyez comme quoi c'est que c'est super vite. C'est un bon moyen pour XP, hein, si vous voulez vite enchanter, etc. C'est franchement génial, donc voilà, je pense que je fais une petite ellipse, le temps que je retourne au monde, que je fasse un monde avec les cristaux, et puis je retourne une fois que j'aurai fait tout ça. Allez, à tout de suite. Donc du coup, je vous rappelle ce qu'on a fait. On a fait ça en 20 minutes, si ce n'est plus. C'est pas énorme, mais bon, c'est déjà ça, puisque du coup, ça veut dire qu'on commence en quelque sorte à automatiser tout ça, et je pense que ça fait plaisir. Donc du coup, moi, on va se laisser là, plutôt. Et puis ben voilà, ciao.